Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV en direct. Ici Patrick Eliancé. C'est un plaisir légitime pour nous entrer à la CAIO. Pour nous brasser l'idée, ça fait actualité à ici aux États-Unis et en Haïti en particulier. Crise politique là, il est toujours arrêté dans l'impasse. Parallèlement, il y a un président-sénat, sénateur Joseph Lambert, qui a multiplié contact avec l'autre secteur dans la classe politique là pour essayer de venir une possibilité. Ils ont chuté à parler pour résoudre la crise là. Ils ont déploré, jeudi, est-ce qu'il y a plusieurs invitations qui sont lancées à la Premier ministre Ponti Bouta, Ariel Henry. Ils ont méprisé, les boudé, raconte ça. Le sénateur Lambert a continué à lancer appel. Entre-temps, ils ont rencontré plusieurs dirigeants politiques dans ce cadre. C'est de rencontre ça que la PCFR en façon pour le capable de continuer à encourager différents secteurs eux-mêmes parler de une sorte de compromis pour sortir de la situation difficile. Ça comprend dans la zone centre-ville là, comprend au niveau de zone Martissant même, ça fait presque un an depuis zone Martissant, les coupées région sud là de Respia, côté que bandits eux-mêmes, ils ont fait la loi, donc ils ont empêché la vie normale faite dans le pays. Même réalité pour zone Croix des Bouquets, côté que bandits Maozo eux-mêmes, ils ont empêché la population, les mêmes les gagnants, en la vie normale, donc en situation qui est déplorée par différentes organisations de défense des droits humains. Jeudi a gagné la police nationale qui fait une conférence bilan côté que il a annoncé différentes opérations qui ont mené durant ces dernières semaines pour capable couper bandits. Et porte-parole police là, il parlait de échanges qui fait avec bandits qui fait que il y a plusieurs là-dedans qui tombaient, qui ont saisi armes avec munitions, il parle tout de et arrestations qui fait pour complot contre la sûreté de l'État, dans le sens que bandits organisés quand même mieux contre l'État, ils ont parlé tout, de Paul a parlé de questions d'enlèvement, et aussi de cas de viol qui récupérés dans différentes arrestations qui faites un peu partout dans le pays. Question immigration, deux membres dans le Black Caucus là, ils ont demandé pour que l'administration Joe Biden non, de camper sous cette affaire déportation qui a fait contre Haïtiens. Donc, Monden Jones, représentant New York, avec Ariane Priestly, qui représentant Massachusetts, ils ont parlé avec le secrétaire intérieur Alejandro Mayorkas pour capable camper sous mesures sérieuses. Donc, de membres de la Caucus écrit camper, suspendre, voyer haïtien tourner en Haïti. Et les Américains ont évoqué gestion frontière là par l'administration démocrate là qui utilisait une disposition sous l'administration Donald Trump là, qui l'État a fait de tout. Titre 42 qui permet à Homeland Security expulser tout ressortissant étranger qui entre dans le pays là sous base. Ça fait contamination avec pandémie coronavirus. Là, d'ailleurs, il y a plus d'experts dans CDC qui ont critiqué l'utilisation titre 42 par l'administration de l'entreprise. Et c'est les mêmes nouvelles que l'administration Joe Biden a continué à utiliser. Il y a environ 500 compatriotes haïtiens qui ont débarqué durant ces dernières semaines dans la côte de Floride, plus particulièrement dans la zone Key Largo. Autorités américaines ont arrêté, qui ont expulsé vers le nord du pays. 150 arrivés la semaine dernière au Cap Haïtien et il y a très peu de là-dedans que ont eu la chance pour être capable de parler avec l'agent immigration et pour présenter un dossier. Une situation qui révoltait en pile compatriotes qui ici aux États-Unis, en Floride en particulier, de Mme Marlène Bastien, qui a travaillé pour défendre les réfugiés haïtiens. On a toujours été au niveau local, gagné l'actuel magistrat de la ville de notre ami, Philippe Bien-Aimé, qui a lancé une bataille pour devenir commissionnaire dans le district 2 pour remplacer le commissionnaire Jean Monestime, mandat fini à Nessa. Magistrat Philippe Bien-Aimé, il était fait en kick-off campagne pendant ce maintenant et il y a une équipe à l'intérieur qui était là. On suit ensemble.
Bonjour, monsieur bien-aimé. En tant que maire de North Miami, je dis à nous Vlemando, qui motivation comme candidat pour County Commissioner, District 2 Miami-Dade County? Bon, tout le monde connaît que pendant à peu près 9 ans, dans la ville de North Miami, comme magistrat ville North Miami, l'on premier temps, magistrat en deuxième fois, councilman qui représentait District 3 dans la ville North Miami. Et on connaît ces deux termes seulement qu'a couru comme magistrat. Donc c'est pour ça nous estimons que l'important que dans la next élection qui va venir dans le mois d'août 2022, nous courir comme county commissioner pour district 2 pour nous capable continuer le travail, continuer à servir la communauté. Parce que district 2 englobe un bon parti dans la ville de North Miami, un bon parti dans la ville de North Miami Beach, un parti dans Opa-Loka, un parti dans un incorporated Dade. Et même un petit parti dans City of Haleya et un petit crash tout petit dans City of Miami. That means son combinaison de toute City ça qui forme sur les districts 2 qui gagne à peu près 200 000 monde qui vivent là-dedans en majorité communauté panouan. Donc c'est ça que me veut aller au niveau de Miami-Dade County pour mal représenter la communauté comme county commissioner pour district 2. Bon côté panonal TV, nous avons un petit souci, nous demandons pour qui ça. Bon, nous avons plusieurs, nous connaissons plusieurs candidats pour poste là, qui sont haïtiens tout. Nous demandons est-ce que nous ne pouvons pas faire un fonds commun d'un seul candidat et comment on ça approche ça? Parce que votre vote est divisé. Bon, pas oublier que c'est la démocratie. La loi ici dit depuis que nous avons un pouvoir pour le voter. Et puis, il y a l'âge pour le voter, il capote le candidat. Donc, son processus démocratique, je crois que c'est voteur, les gens qui votent, pour tout camper des candidats qui estiment qui peuvent défendre l'intérêt downtown county. Donc, je crois que c'est ça lié. Vous avez besoin de 10 candidats, vous avez besoin de 20 candidats, c'est la démocratie, mais à the end of the day, c'est un seul candidat qui pourra le représenter district 2 et moi Philippe Bien-Aimé, c'est pour ça mandé peuple là, on va continuer faire confiance, make sure que me river downtown pour être capable continuer travailler en un sens intérêt communauté même Jean Fell comme magistrat comme councilman dans ville North Miami. Et bien, nous remercions. Par contre, second dernier mot t'a dit, on sort de slogan, on appelle à tout public là qui sale tapier. Bon, sale tapier c'est yon moun cherchons l'autre monde. Donc fait parole la simaye, dit tout le monde que Philippe Bien-Aimé candidat pour représenter district 2 dans Miami-Dade County. Ou connaît que nous allons travailler pour nous refaire infrastructure dans district 1. Nous allons travailler pour nous résoudre problème housing dans district 1. Nous prenons le travail pour être capable de porter économique opportunity pour résidents avec business qui habitent l'industrie. Nous prenons le travail pour nous revaloriser Community Redevelopment Agency qui est CRA 79 et 7e avenue pour nous porter une plus bonne condition de vie pour les gens qui habitent l'industrie 2. Merci un peu, M. Benfili. C'est moi qui remercie Alan TV d'être que nous venons là, dans le fond de résine ça, que nous avons fait pour nous capables de concrétiser le rêve, nous qui c'est aller en bas dans Miami-Dade County pour nous représenter tous les résidents qui habitent dans l'industrie. Donc, à tout peuple haïtien, américain, pas bon ici, à tout le monde qui bon zami, quel que soit catégorie zami, dire comme ça le 23 août 2022, c'est pour nous élu Philippe Bien-Aimé comme county commissioner pour le district ça. Thank you very much. Voilà, c'était un reportage de Gary qui était sur place qui coffre un campagne en l'actuel magistrat de notre ami Philippe Bien-Aimé qui a organisé un fundraising de concert avec un élu dans ce scoutboard là, c'est Madame Bendegol qui lui-même a organisé ensemble une possibilité pour jouer un fond pour capable entrer dans la bataille du cycle 2A. Donc, on a que un pile compatriotes haïtiens qui eux-mêmes sont déjà en ligne pour courir dans le poste A pour remplacer l'actuel commissionneur que mandat pour finir, Jean Monestime. Au son de la télévision de la NTV, on est pour une pause, on va tourner à l'heure.
Voilà, bonjour. Vous êtes toujours sur l'interview en direct. Nous faisons un petit sur ça qui constitue la réalité politique dans le pays d'Haïti. Et là, nous allons analyser ça avec Élisée Saint-Fleur. Élisée Saint-Fleur qui, généralement, nous éclaire sur la réalité du pays d'Haïti très souvent. Mais il y a quelques temps, je prends la peau de scampette dans le cachet pour le faire babler pousser. Je connais qui compétition avec moi dans le cachet pour le faire babler pousser. Comment nous, chef? Mais nous l'avons frappé. C'est ça. Haïti orphelin. Haïti, depuis plus de 8 mois, pas un président. Premier ministre qui l'a assumé de facto. Pas un parlement. Pas un sénat. Pas un chambre de députés. Donc, on tire le sénat. Pas un chambre de députés. Et la Cour de cassation, lit en parlement gal. Et son pays qui pratiquement sont en cap de là, son état qui échoué. Et c'est très malheureux. C'est. Il y a une situation que nous avons essayé, ouais, comment nous avons évité depuis des années, parce que si il était très clair que c'est à ça exactement que nous avons abouti, si nous pas suivre nos consciences de citoyens, si nous pas suivre notre conscience de citoyen, et malheureusement, avec et réticence de toute classe politique là, avec complicité malheureuse de la communauté internationale, avec Sanotaka, réellement méchanceté de la classe possédante en Haïti, eh bien, c'est exactement là nous aboutit. Mais est-ce que ces résultats n'ont pas gardé là, qu'a perduré et dans les jours à venir? Je pensais que non, il y a pour le vin plus grave, si et seulement si, non pas finalement remettre mais comme citoyen haïtien. Alors, et que on nous entrions dans le cadre de ce dialogue inclusif, franc, que je toujours parler à chaque fois que j'ai une chance pour venir sur le plateau, ça. C'est exactement, et ça nous prévoit la plus grave. Alors, nous voyons que le sénateur Joseph Lambert avait essayé de créer un espace pour que le dialogue soit fait. Il y a des protagonistes qui parlent, qui visiblement pas intéressés à dialogue politique. On parlait de responsabilité communautaire internationale là. Oui. Nous avons peut-être mis en question irresponsabilité leadership haïtien, et ceci à tous les niveaux, qu'on voit dans le secteur classe politique, et mon secteur d'affaires, mon secteur universitaire, éducation, innovation globale. Et là, encore pour me tourner à même Sam Dabizalea, son état qui est joué parce que résultat, je ne dis pas, par un résultat qui frappe dans la figure non seulement pendant que nous en Haïti, mais il frappe nous-mêmes tout qui est dans la diaspora, parce que en plus le monde qui a suivi à distance, ça va passer dans le pays d'Haïti, tu vas poser des questions. Comment faire nous toujours dans la situation de troubles, nous toujours dans la situation de crise, nous pas encore capables de pomper jusqu'à présent? Je ne pense pas que et c'est qu'on y a que l'État a échoué. L'État a échoué très longtemps. Nous avons plusieurs décennies depuis que l'État a échoué. L'État ça a abattu pour être capable de reconstituer tête li. Pour intérêt ensemble de monde qui a dirigé le lieu. Mais l'État ça a échoué longtemps. Ou un État qui échoué, alors signe de l'État qui échoué, c'est lorsque la souveraineté n'est pas mis en rien pour aucun citoyen, n'est pas mis en rien pour le pays, parce que on prend note, on prend dictée de l'autre État qui a même intérêt par eux que a défendre dans l'État par là. L'État échoué lorsque vous jouez l'État pas une responsabilité pour que les tenu compte de engagement que le doit prendre, de engagement que le doit prendre envers citoyens. Par exemple, pour l'État bail bon gens l'école, pour l'État bail santé, pour l'État bail sécurité, pour l'État garantie que gain route, gain lumière pour monde qui fonctionne normalement, l'État déjà échoué. Maintenant, nous voulons éviter que échec l'État fait depuis longtemps, pas abouti. Maintenant, à côté de Livin, il y a une sorte d'entité chaotique et ingouvernable. C'est la raison ça qui fait, à chaque fois que nous avons une chance, nous lancer appel qui permettre que nous sortions
tête nous. La printemps, n'est pas facile parce que dialogue, franc dialogue, c'est bagay qui pi difficile qui a existé spécialement entre moun qui gagnent et des intérêts divergents. L'homme dit des intérêts divergents, c'est vrai que nous sommes tous des Haïtiens, nous sommes tous des fils d'Haïti et filles d'Haïti, mais en réalité, intérêts nous yo divergents en fonction de étymologie, nous, en fonction de racines, nous, en fonction de côté nous sortis, et l'impalpable, pou qu'on y a là, ou ka wè, malgré que Haïti nan situation que le trouvait là, situation au pire, nous t'as dit au pire moment de son existence, ou jeune monde qui malgré tout bien là-dedans. Oui, c'est à déplorer tout ça. Mais la question la plus fondamentale, Élisée, l'opprend les trois premières années, ou les quatre premières années de Jovenel Moïse, qui acharnement, qui opposition que l'été jeune, l'été bête noire, l'été qualifié par l'opposition de un monde qui doit aller. Vous souvenez des manifestations de juillet 2016, donc pays loc. Il y a des gens qui dit que c'est Américain qui était Kembe Jovenel là, voilà que lui mourit. Automatiquement, la rhétorique a changé. Les magouilleurs qui ont autour de pouvoir, pas derrière, ils paraissent timidement, qu'on y a ça pour décevoir la population, hein, c'est mon idée plus acharné contre eux-mêmes qui écrit un accord pour faire un pacte avec Ariel Henry, que en pile là, ils ont considéré comme de facto pas de doué là, parce que c'est Jovenel Moïse. Théoriquement, mandat défini qui était Bétel, et venir au grand pacte avec le diable, côté que les anciens SDP, secteur démocratique et populaire, viennent aujourd'hui à fond alliance avec Ariel pour pas changer, j'ai entendu les chavirer aujourd'hui, changer le système non, pour une sorte de transition apaisée. Et je parle avec mon analytique de Gonzaga, que c'est pas qui est choqué parce que ils ont pratiquement déçu par rapport à la quantité de monde qui est blessé, qui est mort, qui disparaît, qui est estropié, pour gagner ça, je veux dire. Nous avons eu une chance plusieurs fois pour que je réponde à la même question, ça, presque, sur le plateau. Et à chaque fois, je suis toujours attiré, attention personnellement, attention l'autre interlocuteur, l'esprit qui est là, et attention auditeur, téléspectateur, pour que moi dis qu'il faut qu'il fait très attention. À un certain moment, je me parais tant qu'on est capable de défendre Jovenel. Et ce n'était pas le cas. Je toujours défendre valeur. Jovenel vient sous pouvoir. Pendant quatre premières années, c'est vrai que Jovenel fait pile erreur. Mais je toujours dit que Jovenel est héritier d'une situation qui t'a toujours causé qu'il fait erreur. Maintenant, erreur, ça y est, est-ce que c'est réparable? Oui, c'est réparable. Mais est-ce que à Jovenel seul, il était capable de réparer les erreurs? Non. C'est raison ça qui fait que nous avons toujours dit que à chaque fois où il y a une manifestation qui prend la rue et qui a revendiqué le renversement de gouvernement, le renversement d'une administration qui a dirigé par un président élu, il faut que nous fassions gaffe. Parce que la même chose est arrivée en 2004 et lorsque Négio t'a renversé le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Négio te paraît beaucoup plus préparé. Négio te paraît beaucoup plus structuré. Structuré, justement. Une machine locale, une machine internationale. Absolument. C'est un mouvement 1984 qui t'a prôné un contrat social. Justement. Dans les Aristide d'aller, contrat social a passé par franchise pour 10 ans. Et puis tout le monde qui est dans la rétablie à Péo. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque nous venons joindre le SDP et co cap mandé pour que Jovenel aille, nous tout dit que nous pas gagné l'autre situation que nous pourrons trouver en face, sinon que l'histoire qui va se répéter. Et histoire répétée tête li, c'est bien malheureux. C'est bien malheureux, histoire répétée tête li. Et Patrick,
ça qui est plus malheureux, c'est si et seulement si, m'a pris prendre tête moi, nous pas prendre, parce qu'il est encore tôt, il est encore tôt, nous avons tant devant nous toujours. M'applaudis démarche sénateur Joseph Lambert. Pour que ça m'applaudisse démarche sénateur Joseph Lambert, pour une grande raison, parce que actuellement en Haïti, si il y a une instance qui a une race légitimité, toujours, c'est dernier tirés Sénat. So, si c'est dernier tirés Sénat qui a une race légitimité, mais si nous voulons que Haïti saute de côté lié là, nous pensons que nous devons tendre voir M. Sayo. Nous ne devons pas ignorer. Parce que l'ignorance de reste Sénat pour le fait que nous entrons dans personnaliser l'intérêt encore plus. C'est malheureux. Est-ce que l'intérêt personnalisé, question de pays, c'est Kaba. Voilà. Nous avons causé avec Élisée Saint-Fleur autour de la crise haïtienne. On sort l'édition de Alain Tivan d'hier. Nous avons pris pause. Nous avons tourné tout à l'heure. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain Tivan d'hier. On a continué à parler avec Élisée Saint-Fleur. Quand on a parlé de drame que Haïti a vécu, drame qui gagne des conséquences, puisque compatriotes qui a fui la misère, qui a fui situation d'insécurité, obligé de quitter le pays, ça a pour déception Saint-Domingue, ça a pour déception Bahamas. Une aujourd'hui là, où c'est les îles, donc c'est au niveau de Kilargo, donc il a cherché route dans Kizio pour entrer ici aux États-Unis. Et c'est pas qu'on a dit, ça fait que là, ils sont entrés aux États-Unis, pas ouvert à pays rouge pour eux. Ils ne sont pas cubains, ils ne sont pas afghans, ils ne sont pas ukrainiens, donc ils sont entrés et puis c'est Pim Bétonné. Nous avons révolté, nous avons protesté, c'est vrai, mais son politique que les États-Unis ont appliqué, il est peut-être seul pour le monde noir, tant qu'Haïtien en particulier, et nous sommes seulement capables seulement de déplorer et assister à la situation déplorable. C'est pas même une hypocrisie, c'est du franc jeu. C'est du franc jeu que les États-Unis font avec nous. Et je me songe que lorsque Donald Trump était sous pouvoir, il était manié à Pierre exactement dans la tête li, lorsque il était ouvertement dans réunion avec des hommes politiques et des hommes d'affaires, il était mentionné pour qui raison que nous avons des gens qui continuent à venir, des gens qui sortent. En Afrique, en Haïti. En Afrique, en Haïti, considérer pays ça yo comme pas besoin de répéter. Non, shit ball country, dit ça. Tout à fait. Je pense que là encore, c'est des opportunités. Des opportunités que y a baille nous pour que nous organiser tête nous en tant que pays, parce que nous on dit que un pays c'est pas l'argent qui fait un pays. C'est pas richesse qui fait, parce que richesse yo secondaire yon pays, c'est moun qui fait avec yon projet. Et c'est certain que nous gen moun yo, nous gen moun yo pile fois pile moun pense que nous pas gen réserve, nous gen réserve, nous gen réserve, nous gen de moun toujours qui moun, de moun qui grand moun et de moun qui ka prend lead nation qui a retiré le marasme côté nous hier, lorsque il a sensibilisé l'autre monde que c'est monde, mais c'est bien malheureux, il n'est pas en bonne place. Il n'est pas en bonne place. Donc vous voulez dire là, dans la situation à terre plate nous là, gien monde en Haïti qui ont compétences, qui ont une aura, qui capable pour une position de leadership pour retirer tout à fait nous dans la situation ça, et puis qui était en silence comme ça. Tout à fait.
Tout à fait. Mais il n'y a pas patriote. Tout à fait. Il n'y a pas patriote, Élisée. Non, écoutez. Patrick, où vient trouver une situation côté que l'observation vient prendre place de action ou bien observation vient tourner action en lui-même. La caille citoyen haïtien. À cause, nous avons tellement mal commencé et au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons tellement mal posé action. La politique en soi ou la gestion des choses publiques vient tourner des choses qui ciblent. Au tel point que ciblent, les gens sérieux que nous gagnons, qui ont capacité, qui gagne sens de responsabilité, qui gagne bonne personnalité, qui gagne dignité, yo vinn trouver que yo menacé lorsque yo même gagne intention pour t'ava entrer dans politique et redresser la barre. Et maintenant, face à vide ça, justement, puisque la nature gagne horreur de vide, puisque li vide là existait folle comblé, et puis nous vinn joindre vidéo qui mal comblé. Maintenant, silence ça, capable d'interpréter comme un silence complice, il y a des sociétés qui sont dans une situation difficile, qui sont organisées. Avant Thomas Sankara, il y a des groupes de cellules qui étaient organisées. Par exemple, le miracle coréen, que tu as une chance de pays à visiter, parler avec des gens là-dedans. Tu as des groupes qui étaient, ouais, que le pays a plongé, qui étaient organisés, qui étaient réfléchis. Réflexion a été faite dans l'université, a été faite dans le cercle culturel. Yo. Ça a empêché qu'il y ait des gens qui réfléchissent, organisent, disent que cette situation est inacceptable. Nous ne pouvons pas quitter Kank, diriger le pays encore, en nous essayer de balayer notre orientation. Voilà pourquoi moi dis que il y a encore tôt. Il y a encore tôt, nous avons seulement besoin de, au minimum de prise de conscience de nek qui optimisent des affaires. Comprendre qu'il est temps de dépersonnaliser intérêt pour que yo rende grain intérêt qui réellement doit émerger de l'intérêt commun et l'intérêt de la nation. Et c'est seulement l'homme était intérêt nation en premier ou ap ka fini par faire yon auto-évaluation, ou ap comprendre qui ça ou gagne comme faiblesse, ou ap comprendre qui ça ou gagne comme force, et si ou comprendre ça ou gagne comme faiblesse, automatiquement ou ap ka chercher combler. Ou ap ka chercher maintenant, mettez à côté ou de moun qui gagne capacité pour parler moun, moun qui gagne capacité pour convaincre moun, moun qui gagne capacité pour rassembler moun. Et ensemble de rassemblement ça yo, il a fait place à des manifestations de conscience, il a fait place à de mouvements de conscientisation qui prend le bail. Point de nouveau départ de Haïti, ça que nous tous rêvons. Et Patrick, pas seulement révèle, personnellement, forme vive. Merci Élisée Saint-Fleur pour l'analyse et commentaire sur la situation politique pays d'Haïti. Nous avons une pause, nous avons tout à l'heure sur notre édition de Alain TV en hier. Pour la bon tour, nous toujours sur Alain TV on hier, nous parler toujours de ça qui concernait réalité aux problématiques familiaux dans la société. Nous continuons à rendre hommage à familiaux dans justement mois de mars qui et ces mois nous toujours et consacré des segments côté que nous parler de problématiques familiaux et de rôle de jouer dans la société. Nous avons parlé depuis Texas avec Dr. Flore, l'un de la torture via Zoom. L'homme, on a pensé à femme, et bien sous Haïti, où est ces gros paniers qui sous tête, etc. Mais il faut que nous pensions à femme, tout qui derrière rideau, et qui permettent que nous-mêmes qui devant, yo réussissons côté nous hier. Alors, il faut que nous pensions à leadership de transformation, à leadership administratif,
qui permettent qu'on communauté balancée. Ça fait de Flore l'un de la torture aux femmes. Et d'abord parce que avant que moi t'es femme, moi t'es une jeune fille qui grandit avec une maman qui a un rôle modèle qui montrait moins que faut moi t'es développé pas seulement au niveau physique mais au niveau global. Alors femme que moi y ai, lui permettent moi gagner tolérance sous femme qui pas gagné ça que moi gagné et qui permettent que m'a travaille sous sagesse moi pour moi chercher dans l'autre femme qui parle en même conception de communauté que nous gagnons, qui communauté traditionnelle par exemple côté que et faut que nous ouais que nous sortis même côté par exemple Haïti et qui fait que de façon globale garder que moi c'est un monde qui était Floride mais qui depuis quelque temps monter descendre voyager l'autre côté alors moi sorti de from a little girl and becoming a woman and I'm looking forward to be a lady parce que sou pa gagne grâce pas when il crée les femmes mais gen femme ak femme m'ta remet que yo songe que kounye la m'ap travay sou grâce moi moi konnen comment se faire radio avec l'équipe jeune garçon dans WDNA m'pa konn si m'songe bien. Comment intégration te yé nan mitan communauté haïtienne nan, surtout après vous débarquer des garçons? C'est yon nan pi belle expérience que m'gaye. Et c'est donc ça fait bon Dieu, bon garçon, pas bon fille. Parce que non seulement c'est pas menti, c'est-à-dire que m'te seule femme nan mitan 5 garçons qui fait radio et moi gen plus que 30 ans à faire radio. Et malgré que moi pas physiquement en Floride, c'est garçon qui aime l'émission tous les jeudis Radio TV with Dr Flo toujours là parce que gen d'Odi Berwet qui gagne elle Kembel, Dr Joseph Kembel et Titoine Kembel, ça veut dire que et garçon qui bon côté ou là dans sens amitié son bagage total capital. Nous t'ai sorti le jeudi soir avec 5 garçons Giorgio Maclibert et puis ensuite j'ai déposé la caille moi parce que t'es gagné sacré l'éducation haïtienne les valeurs qui t'ai fait que même lorsque n'a célébré mars la femme, mais regardez moi mas là pas même F la donne, li gen M pour men, nous pas ka la gen monsieur yo et tout monsieur qui fait que nous solide dans moi ça. Nan intégration qui principal challenge ou te fait ou te fait face Flore ici en Floride. La femme déception dans relation avec femme et dans qui sens moi ka di li moi ta remè que et 2022 an, nous gardé 30 ans par exemple que me gagne en Floride nous fait sacré les intergénération m'a ban un exemple je dis moi ça mien grâce à 3 ou 4 femmes par exemple et Yolande Thomas qui pas là et Ganina Vin qui là et nous gagne et Micheline du Sénat. OK mesdames ça yo t'es bon yo t'es plus grand passé. OK, yo te ban moins sacré le un sens de protection et puis yo te ban moins yon leadership inconditionné. Avait dit que tout ça yo fait yo pas t'attendre rien en retour et puis avec on vinn joindre une autre génération, génération et parallèle, génération de femmes aînées. Ensuite génération ou même qui vous servir des modèles par exemple à Lady G par exemple qui fait radio qui pas jamais gagné esprit de compétition, esprit de tripotage, esprit de couteau dans le dos etc. Then love in joint challenge ça yo ou obligé qu'on y là à reformer tête pour qu'on qui gens va pour redéfinir collaboration entre les femmes sans qu'on pas gon excès de féministe regardez comment nous sommes parler de monsieur yo et puis qu'on y leur vienne faire you retrait et puis qu'on y leur vienne faire des choix pour capable même continuer et orienter diriger et servir de modèle à ça qui ca recevoir parce que gain sacré l'esprit de d'être prêt. Et pas toute femme qui prêt pour recevoir un message, c'est pas toute femme qui prêt pour accepter une critique, c'est pas toute femme qui croit dans l'authenticité. Gen yon ensemble de femmes qui élu dans la communauté haïtienne, n'a fait soit dans DID avec Nambour Award.
Bon, songe dans la série que m'te fait en 2021, m'te parlé avec différentes femmes qui élues, que ce soit dans Miami Gardens, dans la ville de Miami Beach, et Madame Woodson qui est dans Broward. Et elles ont considéré ça comme une évolution positive, le fait que nous gagnions autant d'Haïtiennes qui n'a position de responsabilité politiquement parlant. Regardez au niveau territorial. Au niveau territorial, il est très important parce que vous gagnez et au niveau juge, vous gagnez et juge Lodi Joseph, Lodi Jean, et pour gagner Phoebe François. Ça, c'est au niveau justice. Et pour regarder la même, la mars 2022, là, où gagner une Supreme Justice, qui c'est Jackson qui sortit là, et dans la cour là, quand même, qui étudie Miami Palmetto côté Rafi Ale, avait dit que ou fait collaboration justice à l'vin bord global, avait dit que souvin gè ça, ou gè espoir tout que on le, nous kagon femme haïtienne dans Supreme Court. Et c'est pour ça, c'est comme ça me fait parallèle yo en tant que professeur. Ou vin gade que et State Rep Mary Woodson qui ba nou Broward dans district 101 qui a brillé par même discipline que l'te gagné dans City Miami au niveau l'agent que l'essayer défendre au niveau des positions li prend par exemple position quand ou gay me konn gen des moun ki pral saisi que l'entend carrément moins deal à dire que mais l'aime tes candidats moi même moi ouais difficulté au niveau mental éducation mentale qui fait que ou pas qu'à discriminer et nous gan pile ti moun haïtien k'ap tué suicidé tête yo ça son évolution pour nous pas mélanger la foi nous pour nous pas mélanger valeur intrinsèque pas nous sous nécessité pour nous combattre au niveau global et au niveau évolution en tant qu'haïtien. Que ce soit juge là qui dit que y a plus restrictions, etc. Mais c'est des femmes quand même qui rivaient et bridaient des postes qui pour permettre une bonne représentation, pas seulement au niveau local, mais qu'on est là au niveau national. Et même moi-même qui pas élu, moi publiquement prend ownership et me remercie publiquement sous impact moi fait dans sud-là. Gardez oui districting qu'on est là, tout le monde après les mandem si m'a retourné, mais cependant les livres l'ont sorti et toujours né moi comme et bye. Impact créole en mi-temps Covid qui fait que pas gain question de pas parler créole dans affaire éducation, mais ça c'était combat pam, c'est pas un combat yo monde qui est élu te fait, c'est pas Jean mon estime qui te fait, c'est pas d'autre qui te fait, ce qui implique que nous vinn ouais que les nous élus ensemble ça vinn faire Jean paraît puis bientôt et en tant que commissionneur d'autre si tout cap goumen lan ta la si, mais impact là dans sud là vinn créer yon bon travail, ce qui implique que c'est pas gagner élection seulement, mais c'est comment yon supporter l'autre pour nous faire une bonne représentation au niveau enfin du voisinage, j'aime te kondil qui c'est derrière la kou la kainou, après ça local, national et puis maintenant fédéral. On connaît que à travers AEDA pour faire pile activité en pile mission en Haïti et là au toucher réalité pays à travers les femmes de campagne. Son catégorie généralement nous négliger, nous délaisser, on a parlé de mois de la femme. Alors mm-hmm. que c'est eux-mêmes qui pratiquement moteur économique, c'est eux-mêmes mm-hmm. qui travaillent pour porter manger dans cala, c'est eux-mêmes qui porter denrées la ville et les madame Sarah que nous relayons très souvent. Partagez moins expérience qu'on fait avec Monsao en province, généralement, le AEDA par faire mission. Nous étions au niveau pratique de 17 août que tu as un tremblement de terre dans le Grand Sud. Eh bien, AEDAP qui l'a depuis 1984, surtout dans Cavaillon, nous très consistants avec un seul message. C'est-à-dire que son message d'échange, côté que nous prenons des jeunes, faisons des échanges, quand nous avons mis Bakno, faisons au Canada, etc. Bon, ça, c'était crédit à Jean T.H. Nedor, c'est pas moi. Ensuite, à Maître Karine Nedor qui mourit, c'est pas moi. C'est-à-dire que moi-même, je viens prendre Femio parce que l'été gain tremblement de terre en 2010, eh bien, monio pas tremblé en Haïti. Ça veut dire que ou t'es toujours à le Cavaillon ou joue un café, ou toujours à le Cavaillon ou joue un maillot.
mes sections rurales yo avait dit que ou appelle Plaisance du Sud ou pral Camac ou pral La Roque et puis ensuite après ça parce que Cavaillon c'est pas seulement et la grande ville l'église qui crasait vous comprenez then a adapté t'es yon en premier monde qui était souterrain parce que nous-mêmes nous pas fait et enfin au niveau médical urgence parce que nous pas et pompiers etc mais nous fait psychosocial nous sommes psychologues et puis gardez côté bon Dieu mesdames jodien moi Texas depuis le septembre c'est on va et vient en Texas et Floride parce qu'on pas arrêter le moment urgence nous tout camper parce que haïtien là parce que toujours gain frais en bas pour yo toujours gain un moment y a prétendre politiquement pour yo qui bon pour yo passer ce qui implique que femme toujours gen problème kit c'est Haïti kit c'est bon ici et nous pas camper pour nous capable nous acquérir plus maturité qu'on y a l'argent que nous travaille avec eux et puis n'a découvrir d'autres choses avec système fédéral là et puis qui pour ta permettre un jour que nous fait un meilleur travail d'information et de conscientisation qui pour commencer depuis sous timoun tifi cap entré depuis 1960 à de 13 ans jusqu'à 17 ans dans le pays pas bon ici et pour nous ta vraiment faire sacré l'expérience que n'a fait là et rééduquer communauté haïtienne sous vraie compréhension nous de sac family reunification nan, mettant en relief femme. Voilà, c'est antigosement avec le docteur Flore Lindor Latortue sous moi de la femme, Flore Lindor Latortue, qui parle avec nous via Zoom depuis Texas. Nous allons prendre une quick pause, nous allons parler pour nous parler santé, à NBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le Sahara, en dedans, à l'NTV On The Air. Voilà, bon retour, nous allons parler de santé avec ANBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le salon. Nous sommes avec nous, docteur Alain Brizo. Et grand changement de voix, je constate qu'il y a un petit garçon, John Patrick, qui a une voix qui a un problème, quoi, je dirais même pas là tout. Je dis, papi, c'est un peu à toi qui a changé. Ça fait ça. Bon, et bonsoir Patrick, vous saluez tous les spectateurs. Et gens que vous notez si bien, voix, effectivement, il y a un changement là-dedans. Donc, je me fais ça régler laryngite, donc son laryngite aiguë. Je suis capable de dimanche, effectivement. Et je ne pas comme ça. Donc lundi, je me levé, la température a fait changer, vraiment, il y a eu la pluie. Donc je me suis lundi, je vois commencer à changer. Donc, c'est ça régler laryngite. Côté mon nom en haut, côté où il y a des difficultés, vraiment vrai. Et pour parler, et des fois, on voit qu'on était lié à l'inette, on ne peut pas parler du tout. Donc, et pour y avoir comme des faits, me font test Covid pour m'assurer moi, parce que c'est une signe que de variant Omicron. Donc et, grâce à Dieu, test moi négatif, on connaît que c'est pas Covid que lié. Je capable dire que la laryngite, son bail qui causé par et bactéries, il causé par virus, il causé par n'importe irritation qu'on gagne dans gorge, il causé tout pour un monde qui utilise voile en pile. Donc on parle en pile et que dans que c'est dans office, mal en pile lorsque me gagne étudiant avec moi donc si donc ça qui nous arriver donc pour socialiser on va chanter donc c'est pas un problème mais cependant l'on utilise voix en pile ou capable bien ça reler en laryngite là qui sont irritations vraiment vrai de cordes vocales yo donc ça capable causer ça très souvent et virus et si gain par exemple reflux gastrique tout et ça gain doit causer qu'on monde gain laryngite au monde qui pas prend assez de l'eau parle en pile gain doit gain laryngite et gens que nous dit tout à l'heure à tout on sait un monde qui utilise voile en pile qui doit gagner la laryngite. Donc et bonne nouvelle là c'est que son bagage que même si vous essayez de traiter même si vous pas traiter il pas durer plus que 2-3 semaines en général 7 à 10 jours donc on pourrait voir commencer à améliorer vraiment. Donc ça pour monde fait si vous avez que vous lever ou t'avez que voir aller même j'en vois pas moins. Comme c'est dans la saison Covid que nous y est, toujours assurer que ce n'est pas Covid. Le bout qu'on est que ce n'est pas Covid qu'on gagne, nous demandons de reposer voir. C'est le meilleur bagage pour faire. Reposer voir, c'est le meilleur médicament. Prends pile liquide, essayez de réhydrater. Prends boisson quand tu es tiède, ma dit chaude. Prends boisson tiède, donc ça capable d'aider en pile tout.
y a monde qui dit que est-ce que c'est au miel mâché, est-ce que par exemple là on prend de l'eau salée mâché. Donc on capable dit que yo pas nuit. Si toutefois on rend compte que yo aidé ou yo fait douleur ko gen dans gorge ou on ti jamais amélioré, pas gen problème. Mais nous pas gen grande évidence vraiment que il a fait un gros différence. Donc ça que nous dit à l'heure, si par exemple là ou fait yo vraiment ou senti que ou et amélioré dans une semaine et maximum deux semaines. Tout à l'heure, après trois semaines, on a la laryngite toujours. Allons au docteur, il a besoin qu'on y ait un examen qui est plus profond, puis regarder vraiment vrai, est-ce que pas un autre problème à cause de la laryngite. Et pas oublier tout, éviter cigarette, éviter alcool, donc ça très très important. Pas prendre des congestants, ça qui doit vraiment vrai, faire et la laryngite vite plus sévère. Nous dans saison allergie tout, monde qui a utilisé spray nasal yo, connaît que ça tout son raison qui capable bon la laryngite là tout. Mais encore une fois, c'est pas grave. Deux semaines, trois semaines, ou à reprendre voix ou prendre petit de l'eau, pas essayer parler trop, prendre boisson chaude, voix ou à retourner. C'est ça. Mais je peux voir pas prendre temps pour retourner docteur Brizo. Merci. Mais n'a pas continuer explorer dans mois de mars là, maladie qui plus fréquent la caille femme. Bon, et maladie qui plus fréquent yo premier bar que me premier bar que me capable dire vraiment vrai me dit ça déjà c'est maladie cardiovasculaire grand pile progrès qui fait dans ça côté que monde apprend détecter maladie que ka fi ka femme et plus rapidement gens que nous toujours dit des fois manifestation pas même gens avec manifestation qu'on joine ka garçon donc monde comme ça connait même comme si que monde qui travaille à l'hôpital que c'est paramédic là qui vient la caillou donc infirmière docteur yo plus entraîner connait pour essayer détecter on fait qu'a fait une crise cardiaque. Donc l'autre bagaille que deuxième cause mortalité la caillou, c'est ça les cancers et en premier c'est cancer du sein. Nous connaissons ça qui affecte au plus. Cancer poumon tout, c'est surtout quand monde qui fumait. Cancer sein m'a rappelé monde que 90% de cancer sein capable guérir si nous prenons le bonheur et gon test qui capable permettre nous faire ça, et test qui les mammogramme là. À partir de 45 ans, si on monde t'a fait mammogramme ou chaque année vraiment jusqu'à 55 ans et pour faire chaque deux ans après, même si qu'on y a là, où t'as détecté un cancer, là assez tôt et est capable vraiment vrai dans 90% offrir une guérison. Donc vraiment vrai, son bagage pour mon affaire. L'autre bagage tout c'est cancer du col. Encore une fois avec test qui nous connaît les papes mirlan, nous détecter cancer du col bonheur et nous capable offrir vraiment vrai une guérison complète depuis qu'on prend le bonheur. Donc son série de précautions que mon capable prendre vraiment et cancer colon. Que vous jouez ni qu'à femme, ni qu'à garçon, l'on fait colonoscopie ou encore une fois capable de détecter le bonheur et ou capable de jouer une guérison complète depuis que vous prenez le bonheur. Il y a une bonne nouvelle, n'a fait vraiment un vrai traitement pour maladie femme. Regardez bien, vous prenez fumé par exemple, et 28% de monde qui fumé, c'est femme qui était qu'on fumé, qu'on a le baissé à 16. Donc, vous faites un pile effort vraiment vrai. Regardez qu'on a là, le nombre de monde qui est mammogramme tout. Et ça gagne 20 ans de ça, c'est 50% de monde qui était éligible qui était en faire mammogramme. Quand il y a un chiffre ça a monté à 75%, mais toujours était 25% qui pas fait mammogramme yo, gens que supposé faire de façon régulière. Donc n'a demandé au monde qui attend des émissions ça vraiment vrai, fait dépistage, fait mammogramme non. Maladie mentale tout, dépression mentale, son bagage qui affecte population ça en pile. Donc n'a demandé yo tout, pas et pas essayer fait tête dure, sous senti que ou gon tristesse qu'envahi yo. Vous sentez que vraiment vous pas gagner énergie, vous sentez que vous abdomi trop, vous avez perdu du poids, vous pas voulez faire rien, vous perdu appétit, pas grand qu'un honte dans ça, l'allemand des aide, gain bon psychiatre dans communauté, gain bon psychologue qui capable parler avec vous, gain pile intervention, gain bon médicament comme on capable prendre vraiment vrai, qui capable aider avec dépression mentale. Donc encore une fois, son série de bagages qui particulièrement affecte femmes. Donc nous pensons que qu'on y a gain secours, gain pile bagages qui capable faire nous pas obligé rester là car nous connaissons si nous souffrons de problèmes ça yo que ces maladies que tension sucre et puis tout au monde a fait dépistage pour maladie cancer et sous senti que qu'on y a là que a pas content allons spécialiste. Voilà, merci docteur Brizo pour belle information ça sur les affaires santé. En nous fait un journal là avec bien sûr une nouvelle triste, ces drames qui arrivaient un jeune garçon. C'est la petite Mara Pascal. Mara Pascal, non, peut-être t'es condamné comme monde qui était responsable communication dans le consulat pays d'Haïti, ici, dans Miami. Les mourir, donc, son crime qui fait la une dans différents médias américains, en attendant que question soit éclaircie
au niveau légal, eh bien, dans notre toute équipe, Alain Tivia, nous présenter ses patinons à Mara, Pascal en particulier, et puis tout, toute famille, tout le monde qui te connaît, et jeune garçon ça, qui lui-même en partie avec pratiquement toute jeunesse. Li. Il y a une équipe à l'intimité sur place, tu as capté quelques images, on a regardé là, et bien que c'est une cérémonie qui t'a gagné un peu d'émotion là-dedans. Et près de là, tu es un petit peu intolérant, il n'y a pas de caméra filmée, mais pour relations médias, particulièrement à l'intimité, cultivé avec Mara dans ces circonstances-là, nous. Et présenter notre tout courage, toute sympathie à lui-même et à toute famille qui est affectée par des jeunes garçons ça et qui mourent dans conditions qui jusqu'à présent pas élucidées et qui soient bien pour que les gens suivent l'investigation la dernière. Nous souhaitons bon courage à Mara. C'était notre édition de Alain Tivion d'hier, ici Patrick Hinancy. Bonsoir, à bientôt.